Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la suite de nos aventures sur Mass Effect 1er du nom. Et donc nous avons foutu en prison un petit escroc. Et dorénavant, et bien écoutez, nous avons notre passe pour aller voir ce qui se passe au niveau du pic numéro 15. Donc on est parti, on va aller voir un petit peu ce qui se trame avec la matriarche Benicia. La souffre de sa reine. L'accès au garage nécessite une autorisation. J'ai une autorisation, excusez-moi. Allez, bien. Oui, tout est en règle. Faites attention sur la route. Le temps est exécrable dans la vallée d'Alutsk. Je m'en fous, j'ai des pneus neige. Ah ouais, mais ça commence comme ça, direct. C'est donc ça que la Sari avait dans ses containers. Ah ouais. Attends, ça c'est quoi déjà? Qu'est-ce que c'est que ça? Déployez-vous et sécu... Qu'est-ce que c'est que ça? Ça vient des guettes, bordel. Ça, j'aurais pu faire péter aussi. Check. T'as la faire rentrer des guettes. La pas belle, la méchante. Que faisiez-vous ici, commandant? Les guettes nous ont tendus à piège, nous avons riposté, c'est tout. Des guettes? Vous croyez que... D'où viennent-ils? Des containers que la matriarche a apportés avec elle, probablement. J'en doute. Ces containers ont été scannés. Il n'y avait aucune source d'alimentation, aucune trace des eaux. Si les containers de Benedia-sama étaient remplis de ces choses, il doit y en avoir beaucoup d'autres. Il me faut des chiffres, capitaine. Une dizaine? Une centaine? Plusieurs dizaines, au moins. Ce sont des machines faciles à transporter. Je dois faire un rapport au directoire. Si les investisseurs apprennent qu'il y a des guettes ici, ils risquent de paniquer. Très bien. Mais dirigeons-nous vers pic numéro 15. Montez dans le mago. Ouais, le Mako, ça me fait toujours penser à Philippe. 7, qui est l'énergie de la Mako. À partir de laquelle sont faites notamment les matérias et tous ces jolis petits trucs. Et voilà, et rien que ça, c'était quand même génial, passer d'un environnement fermé à un environnement ouvert sans temps de chargement. Ça avait quand même une petite sacrée gueule. Suivre la route. Je suppose que des guettes vont m'attendre sur le chemin. Ça me semblerait pas déconner. Thank you.
continuons notre avancée. Traité manuellement. Ouais, j'ai voulu tenter cette classe. La voie, on va dire classique. Voilà. J'aime quand elle prend ce tour sans accroc. Où sont les troupes ennemies? L'excès ici. Ouais, voilà, c'est quand même pour l'instant pas des compliqués. On est plutôt facile, mais attention à la facilité. C'est ce qui peut causer souvent votre mort.
l'échec de la sauvegarde rapide. Ouais, c'est comme ça. Pas sauvegarder. Alerte utilisateur, tous les complexes du pic numéro 15 ont subi d'importants dégâts. Matériaux nocifs présents dans le complexe. Interface intelligence virtuelle déconnectée. Nous allons devoir réactiver les réacteurs. Quand même. Tester un override manuel. Très bien, on prend tout ça. Pourquoi les tourelles sont-elles tournées dans le mauvais sens? J'ai l'impression qu'une fois entré là-dedans, c'est difficile d'en sortir.
polonium 4. Il est toxique, c'est pas mal ça. Et la phasique 2. Je vais continuer à mettre un proton 4. On a gagné des points. Pouf, pouf, pouf. On va continuer là-dessus. Urnote. Déchirure, c'est quoi déjà? C'est pour non, déchirure. On lit les armures, affiche des dégâts. Sur ça. Éteigne. Hop là, max de décryptage. Ok. Et puis 6, ça nous évitera de recommencer si on crève. Et prenons l'ascenseur. Qu'est-ce que vous en pensez? Personne ne veut me parler. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? Une attaque de débris tueur. Pas de panique, je vais vous protéger. Ils disent que ça n'existe plus, les arachnides. C'est qu'un con pour enfants. Bon, soyons prudents. L'arachnie, c'est quand même pas nos amis. En plus, ça balance du gaz qui traverse mes.
jamais rien vu de pareil. Aucune idée. On le saura une fois au labo. Occupez-vous plutôt de nos ennemis! Putain, mais il est Rachni, sa mère. Oh, je sais pas jouer à un jeu d'horreur, moi. Putain, les trucs qui sortent de n'importe où. Journal personnel, administrateur Tartakovsky. Trop, c'est trop! Je n'utiliserai plus jamais ce transporteur. Nous avons perdu 3 gargaisons dans le système macédoine en un mois. Ils sont trop stupides ou trop lents. Si seulement Grégor était encore là, il m'obtiendrait ce dont j'ai besoin et aucun mercenaire n'oserait lui barrer la route. Bon, en tout cas, les Rachni, c'est un peu casse-couille puisque ça transperce mes boucliers pour attaquer directement ma vie. Donc, on a bien compris le système, ça veut dire qu'il risque d'y avoir d'autres Rachni qui vont sortir ici. Si j'avais voulu jouer Dead Space, je jouerais Dead Space, quoi. Je sais qu'il y en a une qui va sortir. Vrex, parle-moi, m'a dit aussi qu'elles étaient toutes mortes, ces saloperies de bestioles. Ah, le gouvernement nous aurait menti. Ce ne serait pas la première fois. Merde, je suis un spectre, normalement je devrais avoir accès à toutes les données, toutes les informations sur toutes les planètes. Ça rapporte du pognon, ces conneries. Une alimentation de secours, Shepard. Sans doute celle de l'ordinateur central. Qu'on lui file un coup de botte. Voir si ça marche. Attends, vous avez pas entendu le bruit, non ? Moi, je l'ai entendu. Erreur de lancement. Interface de l'intelligence virtuelle déconnectée. Redémarrage manuel nécessaire. Je suis en mode stress. Le noyau d'olivier est apparemment inopérant. Vous pouvez tenter de reconfigurer manuellement les banques de données ou de réparer les systèmes endommagés à l'aide d'obligés. Tentez une réactivation manuelle. Alors, numéro 1, numéro mémoriel 1, endommagé, transférer la pile modulaire au noyau 2 ou 3. Attends.
Là, je suis plus, d'accord. Alors, comment j'ai fait? Merde. On a vu commencer. Ça va marcher, pourquoi même ça marche pas? Après j'ai fait ça. J'ai fait ça. Ah oui, en fait des fois faut appuyer plusieurs fois. Oh putain, cette misère. Vous semblez vouloir remettre le complexe en état de marche.
Puis-je vous aider ? Merde, un pop-up. Tu es l'intelligence virtuelle qui gère cette station, c'est bien ça ? Mes concepteurs m'ont appelé Mira. Puis-je connaître votre nom ? Commandant Shepard, je travaille pour le ministère des Affaires spéciales et tactiques de reconnaissance. Veuillez patienter. Autorisation du Conseil confirmée. Vous disposez d'un accès sécurisé à l'ensemble des systèmes. La consultation de données confidentielles requiert un accès privilégié exclusivement réservé aux membres de Twin Helix. Je suis prête à répondre à vos questions. Vous pouvez me consulter depuis n'importe quelle borne holographique du pic numéro 15. Où se trouve la matriarche Benezia ? Dame Benezia a pris le téléphérique pour se rendre aux laboratoires annexes de la station de la faille. Alerte utilisateur. Le téléphérique est actuellement inopérant. Quelle est la situation ici ? Veuillez patienter. Diagnostic en cours. Échec critique. Désactivation du réacteur principal en application du protocole d'urgence. Réactivation manuelle nécessaire. Échec critique. Ligne terrestre déconnectée. Téléphérique inutilisable. Fin du rapport. Avez-vous besoin d'informations complémentaires ? Tu sais pourquoi le réacteur a été désactivé ? Désolée, je n'étais pas en ligne à ce moment-là. Une coupure du réacteur peut avoir plusieurs causes, parmi lesquelles un risque de brèche du noyau ou un défaut d'isolation majeur des laboratoires. Le guide des mesures d'urgence estime que l'environnement glacial détruira tout agent pathogène biologique, voire mécanique. On coupe le chauffage et on croise les doigts pour que le méchant virus soit du genre frileux. Parfait. Qu'est-ce que je dois faire pour rétablir le courant ? L'arrivée d'hélium 3 doit être rétablie. Pour ce faire, utilisez les commandes sur le réacteur lui-même. Parle-moi des lignes terrestres. Pourquoi sont-elles désactivées ? Les lignes terrestres relient les ordinateurs de la station centrale à ceux des complexes auxiliaires. Le personnel peut ainsi accéder à mes bases de données sans avoir à quitter son lieu de travail. Lors de la mise en place des protocoles d'urgence, le câblage des laboratoires a été automatiquement éjecté. Comment reconnecter les lignes terrestres ? Les lignes terrestres sont conçues pour être reconnectées facilement. Le routeur des lignes terrestres se trouve sur le toit du bâtiment administratif. Il vous suffit de le réinitialiser pour reconnecter automatiquement le matériel. Raconte-moi ce qui s'est passé ici. S'il te plaît. Désolée, votre requête n'est pas assez précise. Dis-moi ce qui s'est passé juste avant ta déconnexion. Alerte de niveau 1 au laboratoire. Fuite des agents pathogènes contenus dans le module Gamma. Mise en place des protocoles d'urgence. Alerte de niveau 2 au laboratoire. Brèche du tube d'isolation. Fermeture des téléphériques. Déconnexion de la ligne terrestre. Alerte de niveau 3 en plusieurs endroits du complexe. Présence d'agents pathogènes dans les tunnels de téléphériques. Fermeture de la station et début de la procédure d'évacuation. Envoi du code Oméga. Ces agents pathogènes, de quel type sont-ils ? Désolé, commandant. L'accès aux données concernant nos recherches est exclusivement réservé aux membres de Twin Helix. Les créatures qu'on a rencontrées, elles viennent des labos ? Désolé, commandant. L'accès aux données concernant nos recherches est exclusivement réservé aux membres de Twin Helix. C'est tout pour le moment. Très bien, commandant. Je ferme votre session. Merci. Alerte utilisateur. Désactivation du réacteur principal en application du protocole d'urgence. Réactivation manuelle nécessaire. Ok. Alerte utilisateur. Ligne terrestre désactivée. Téléphérique immobilisé. Entrée dans la salle du réacteur. Alerte utilisateur. Désactivation du réacteur principal en application. Alerte utilisateur. Désactivation du réacteur principal en application du protocole d'urgence. Réactivation manuelle nécessaire. Alerte utilisateur. Ligne terrestre désactivée. Téléphérique immobilisé. Brouillage, donc il y a du guet.
deux entrées possibles. Du réacteur principal en application du protocole d'urgence. Réactivation manuelle nécessaire. Alerte utilisateur. Ligne terrestre désactivée. Ok, le gate est con. Il ne peut pas ouvrir la porte. Chasseur là, c'est quand même de la merdasse. Écoutez. Alerte utilisateur. Désactivation du réacteur principal en application du protocole d'urgence. Réactivation manuelle nécessaire. Alerte utilisateur. Ligne terrestre désactivée. Il y avait la stase. Ligne d'arrivée d'H3 est coupée. Ouais, ça on le sait. Alerte utilisateur. Désactivation du réacteur principal en application du protocole d'urgence. Réactivation manuelle nécessaire. Alerte utilisateur. Ligne terrestre désactivée. Téléphérique immobilisé. Je sais pas qui brouillait quoi. Tiens, je pense que c'était le stalker. Donc on va pouvoir réactiver ça déjà. Alerte utilisateur. Ligne terrestre désactivée. Téléphérique immobilisé. Se casser, parfait. Là c'est inaccessible pour l'instant. Noyau du réacteur. Alerte utilisateur. Ligne terrestre désactivée. Fonction activée. En quoi puis-je vous être utile ? Raconte-moi ce qui s'est passé. Désolé, votre requête... Très bien, commandant. Je ferme votre session. Donc là, on va pouvoir remonter. Et on va pouvoir activer le réacteur. Personne ne peut me parler. Très bien. Tali. Tali Zora Narvaya. Jamais trop prudent.
t'entends encore. Ça va vers le toit. Fonction activée. C'est tout pour le moment. Très bien, commandant. Je ferme votre session. Alerte utilisateur. Ligne terrestre désactivée. Téléphérique immobilisé. Ok. Sortie vers le toit. Voilà, on va vers le toit. Alerte utilisateur. Ligne terrestre désactivée. Téléphérique immobilisé. Je pense qu'on va devoir débloquer ici. Ouais, c'est ça. Bon, bah encore une fois, à mon avis, ça va pas être aussi simple. On est parti de toute façon. A priori, il fait un peu frais. Safe. Très bien. Ici, il n'y a rien. Ok. Donc, tout est réparé. Ça, c'est corrosif quoi, donc ça bouffe, ça rentre à travers les boucliers. C'est même pas corrosif d'ailleurs, parce que le corrosif à la limite ça aurait pu juste bouffer votre bouclier. Il a rien du tout, c'est juste de la merde en barre. C'est toxique. Sally, elle a du mal à s'en remettre. On va faire gaffe. Ça va être la grosse surprise. En avant vers les téléphériques. Entrée dans le sas de décontamination. Alerte utilisateur. Présence d'agents pathogènes dans la chambre de décontamination. Accès fortement déconseillé. Pathogène, donc c'est arachné. D'accord. Je peux ouvrir la porte. On dirait qu'elle conduit au téléphérique qui mène aux stations annexes. On peut le tenter. Ok, bon, ça les a un peu excités. Tué parce qu'il était impliqué dans l'accident ? Dans mon peuple,
corps des suicidés sont jetés aux charognards. C'est là où ce sont. Putain, le petit fumier. Donc j'ai bouffé ça pour rien. Départ de la station centrale. Destination, station de la faille. Tout est calme. Le tramway se déplace et un temps de chargement arrive. Arrivé à la station de la faille, complexe de recherche de Twin Helix. Laissez vos armes. Désolé, impossible de savoir avec certitude ce qu'il y avait dans ce téléphérique. Ces insectes arrivent à opérer une nacelle. Ça, j'en sais foutre rien. Mieux vaut se dire que tout est possible. Écoutez, vous êtes humain, ça suffit pour que je ne vous tire pas dessus. Mais j'aimerais bien savoir qui vous êtes. Je m'appelle Shepard. Je suis un spectre. Un cheval de nez, on ne regarde pas les dents, comme on dit. Surtout si le cheval en question a un énorme flingue. Les labos fortifiés sont tombés la semaine dernière. Seul Hanolar a réussi à en sortir, et encore, ça ne tourne plus rond là-haut. Avant qu'on ne se rende compte de quoi que ce soit, ils étaient déjà dans mon poste de commandement. On avait plus d'hommes que maintenant. On n'a jamais rien vu de semblable. Qu'est-ce que vous savez ? Je ne suis pas xénobiologiste. Tout ce que je peux dire, c'est qu'ils se déplacent vite, qu'ils sont futés et qu'il y en a un sacré paquet. Le comité a envoyé une Asari pour gérer le bazar. Elle est partie pour les labos fortifiés hier. Plus de nouvelles depuis. Je ne vais pas vous laisser mourir, vous et vos hommes. Tout ce que je peux faire, c'est rester ici et protéger les civils. Il y a un ascenseur d'urgence près des téléphériques que vous pouvez activer avec cette carte. Il vous emmènera au labo. Si vous avez besoin de soins, le docteur Cohen est en bas, à l'infirmerie. Dites-moi plus sur la station de la faille. Je n'ai pas le temps de tout vous expliquer. Que voulez-vous savoir ? Parlez-moi des systèmes de défense. Ne fourrez pas votre nez partout, c'est tout ce que j'ai à dire. Je voulais juste vous donner quelques conseils tactiques. Vous avez de la chance de n'affronter que des insectes décérébrés. Trois hommes organisés peuvent prendre cet endroit d'assaut. Vous avez vu la configuration du complexe ? Il suffit d'une poignée d'hommes pour le défendre, et je ne compte même pas les systèmes automatisés. Les systèmes automatisés peuvent être reprogrammés. Ce qui m'impressionne le plus, ce sont ces tourelles, ces sirènes et ces caméras. Tout est contrôlé à partir d'un seul endroit, les labos de quarantaine. Un seul homme peut prendre le contrôle de tout le bâtiment. Le poste de contrôle est la dernière position de repli et nous serions couverts tout le long par les tourelles. Qu'est-ce qu'on y étudie ? Aucune idée, je ne suis pas censé le savoir. Tant qu'il n'y a pas de mort, ce n'est pas mon problème. Qu'est-ce que vous savez sur les aliens ? Demandez au docteur Hollard. C'est le seul à être sorti vivant des labos fortifiés et le seul Volus encore en vie ici. Oh putain, ça, je veux en savoir plus sur ce qui se passe dans les labos fortifiés. Le complexe a été déconnecté du réseau. La seule façon d'en savoir plus, ce serait de faire descendre des éclaireurs, mais je ne vais pas envoyer mes hommes à une mort certaine. Les insectes venaient de l'intérieur du complexe ou bien de l'extérieur ? Vous voulez mon opinion personnelle ? Les labos de ce genre n'existent que pour provoquer une catastrophe stupide qui tue plein de monde. Comment va le moral de vos troupes ? On ne s'attendait pas à la première vague. Ils sont parvenus à entrer. On a perdu pas mal de gens de valeur.
Ceux qui restent sont en sous-effectif. On a réussi à tenir en allongeant l'écart et en utilisant les stimulants. Je n'aime pas ça, mais je ne vois pas d'alternative. Vous êtes sûr que la matriarche est encore dans les labos fortifiés ? En tout cas, elle n'est pas revenue ici. Et vu que vous êtes passé par la station centrale, c'est qu'elle n'y est pas non plus. J'ai du travail. Ça, je veux bien cro... Merde ! Surveillez le périmètre ! À couvert ! Go, go, go ! Merci pour le coup de main. Plusieurs fois par jour, un groupe arrive par le tunnel du téléphérique. Ça s'est amélioré depuis qu'on a verrouillé l'ascenseur. On est tous dans la même galère. Je ne comprends pas pourquoi ils se lancent droit sur nos défenses. Même des animaux finiraient par comprendre que ça ne marche pas. D'où sont-ils sortis ? Ils étaient dans le labo ? Je ne suis jamais allée dans les zones à haute sécurité. Indécis. Je vous souhaite la bienvenue. Prudent. Je suis curieux de savoir ce que vous faites ici. Je cherche une matriarche Asari nommée Benezia. Surpris. Il y a eu une visite récemment. Circonspect. On dit qu'elle est allée au laboratoire fortifié. Sourire de façade. Je dois reconnaître que pour l'instant, je n'ai pas grand-chose à vendre. Ce n'est pas le moment de faire du commerce. Rire nerveux. Je n'ai rien d'autre à faire. Pourquoi arrêter de gérer mon kiosque ? Montrez-moi ce que vous avez. Malheureux. Le capitaine Ventralis s'est approprié la plupart de mon stock. Quoi ? Vous faites partie d'une équipe de chercheurs ? Je viens de les rejoindre, oui. Quel domaine ? Génétique moléculaire. Je suis spécialisée dans l'hybridation d'allèles biotiquement modifiés. Et en galactique, ça donne quoi ? C'est lié à la génétique, oublions ça. Parlez-moi un peu de vous. Je m'appelle Alestia Yalis, de l'université d'Oreis. Vous voulez savoir quelque chose en particulier ou je vous débite mes anecdotes croustillantes ? Pas la peine d'être si désagréable. Vous interrompez ma méditation. Que puis-je faire pour que vous quittiez les lieux ? Vous connaissez la matriarche Benezia ? Vous connaissez Huerta, le président de la Terre ? De même. Benezia est passée, vous ne l'avez pas vue ? Si, mais vous m'avez demandé si je la connaissais.
Ce n'est pas le cas. Cette situation semble moins vous ennuyer que les autres. C'est une des vertus de la méditation que vous avez interrompue. Ce sera tout pour l'instant. Dans ce cas, je retourne à ma méditation. Désolé, je n'ai pas beaucoup dormi depuis l'attaque. Vous avez besoin de quelque chose? Quel genre de travail vous faites ici? Je ne peux pas le dire. J'ai signé un contrat de confidentialité. Si nous survivons, j'aimerais garder mon travail. Cet endroit est terrible, mais on gagne plus que dans les autres labos commerciaux. Vous n'êtes pas content d'être au pic numéro 15? Le monde extérieur n'existe pas ici. Dehors, des murs de glace et de pierre. Dedans, travail, travail, travail. On a vite fait d'oublier pourquoi la science est dirigée par l'éthique. C'est peut-être ce que nous sommes en train de payer. Que savez-vous sur les labos fortifiés? Rien, je ne travaillais pas là-bas. Tout ce que je sais, c'est que Anne Hollard est le seul survivant. Où est-il? À l'infirmerie? Non, il s'est installé dans les quartiers de l'équipe scientifique. Ne soyez pas trop brusque avec lui. Il en a vu de toutes les couleurs. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis toxicologue. Je ne peux pas parler de mon travail. Même si je ne fais pas grand-chose depuis l'accident. Il y a eu un accident. Je ne peux pas parler de ce qui s'est passé. Pas ici. Il y a trop de monde. Parlez au docteur Cohen, il est à l'infirmerie. C'était le chef de projet. Je cherche une Asari. Une Asari? Il y a bien le docteur Yalis là-bas. Il y a également notre invité Dan Benezia. Le capitaine Ventralis saura peut-être la trouver. Vous tenez le coup? Entre moi et le gars qui m'a aspergé de bouts de cervelle, je ne suis pas forcément le plus mal loti. On manque tous de sommeil depuis l'attaque. Bien sûr, on n'est pas tous armés. On se parlera plus tard. N'oubliez pas de déclarer tout bruit suspect. Vers la zone interdite. On peut y aller. Bon, on fait un tour à l'infirmerie. Accrochez-vous. Je savais que vous auriez un remède. Fonction activée. Système confirmé. Très bien, commandant. Je ferme. Quoi? Que voulez-vous? Ce sont les aliens qui leur ont fait ça? Ils sont infectés par une toxine. Il y a eu un accident. J'ai signé un contrat de confidentialité. Je ne peux pas en parler avec quelqu'un d'étranger à la société. Comme vous voulez. J'essaie juste d'éviter un accident. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils sont infectés... J'ai signé un contrat de confidentialité. J'essaie juste d'éviter un accident. Comment va l'équipe scientifique? Mieux que les gardes de Ventralis. Ils sont en état d'alerte depuis la première attaque. J'ai distribué des stimulants à leur demande. Mais tout le monde a besoin de dormir. Ils sont agités, irrationnels. C'est vous le Toubib du coin? Docteur, oui. Toubib, non. Je suis spécialiste en microbiologie, pas en premier secours. On avait un médecin, le docteur Salé. Il est... On l'a perdu. Les systèmes automatisés peuvent s'occuper des traitements les plus simples. C'est Mira qui les gère. À plus tard. C'est cela, oui. Fonction activée. Système configuré. Tu peux faire marcher cet équipement pour nous? Bien sûr, commandant. Veuillez patienter. Fonction activée. Bien sûr, commandant. Veuillez patienter. Oui? À plus tard. C'est cela, oui. Bon, moi je pense que ça fait grand chose. Donc là, ici, on n'a rien appris. On va pouvoir se rendre. Quarantaine scientifique. Encore un ascenseur.
Cela ne s'arrêtera donc jamais. Puisque là-bas la zone était interdite et c'était en rouge. C'est dommage, je devrais parler dans les petites anecdotes. Oh, moi quand j'étais général à Kni, je l'ai bouffé au petit-déj. Anolar. Ok. Je vais juste faire un pire bon, le tour. Celle-là, elle est impayable. Je ne sais pas comment tu arrives encore. Vous voulez en savoir plus sur eux, pas vrai? Vous parlez de ces choses dehors? Oui, je suis le seul survivant du laboratoire, vous savez. Je veux en savoir davantage sur ces choses. Sur les Rachni? Ne vous foutez pas de moi. Ça ne peut pas être des Rachni. Les Krogan les ont exterminés il y a un bon millénaire. Ça a commencé dans une épave de vaisseau. Un œuf resté en stase depuis les dernières batailles. Quand ils l'ont rapporté. La ferme? Mon Dieu, vous tenez vraiment à nous faire descendre? C'est pas moi qui décide du destin de chacun ici. Et vous? Mettez les plombs si ça vous chante, mais en silence. Oh non, j'y vois clair. Trop clair, même. Faites-moi un topo détaillé sur les Rachni. Je vous ai dit tout ce que je savais. Nous avons ramené les Rachni du pays des morts. Pas très judicieux si on y repense. Il paraît que vous étiez dans les labos fortifiés. Comment avez-vous fait pour en sortir en vie? Je l'ai tué. Répondez à la question. Le docteur John, moi. On allait déjeuner quand la sirène s'est mise en marche. J'ai sauté dans le téléphérique, fermé les portes. Elle a frappé une fois à la fenêtre et puis... ils l'ont découpé en morceaux. J'ai vu sa tête sauter comme un bouchon de champagne. En fermant la porte, je l'ai tué. En la laissant ouverte, vous seriez mort vous aussi. Bien sûr, c'est la pure vérité. La matriarche Benezia peut survivre dans les labos fortifiés? Possible. Les spécimens étaient réactifs à la biotique. Je vous laisse. C'est ça. Comment est-ce que je fais pour y aller? Tout est rouge. Autorisation nécessaire. Faites pas partie de mon équipe. Appelez-moi Shepard. Je suis un spectre envoyé par la Citadelle. Ça existe pas, les spectres humains. Écoutez, l'épidémie se fout de savoir qui vous êtes. Ce labo est placé sous quarantaine. Merde, comment je fais? Vous avez besoin de quelque chose? Je veux en savoir plus sur... Le complexe a été déconnecté du réseau. La seule façon d'en savoir plus, ce serait de faire descendre des éclaireurs, mais je ne vais pas envoyer mes hommes à une mort certaine. Parlez-moi de l'agencement des labos fortifiés. Ils sont construits au cœur d'un glacier très ancien, épais et stable. En temps normal, le personnel accède au labo par téléphérique. Nous, on dispose d'un accès direct par ascenseur, mais seulement en cas d'urgence. Entre vous et moi, je ne vais pas envoyer mes hommes au casse-pipe. On se comprend?
J'ai du travail. Et moi donc. Attention, protocole de sécurité Watchdog activé. Veuillez contacter un agent pour toute opération de maintenance. Tout cassé. C'était le seul endroit disponible. La voie B. Je sais pas trop si c'était ça. Garde tirée sans sommation. Ça c'est réglé. Cette fois-ci. Ah non, il de rigoler. Arachnie. Super sympa. Vous n'avez pas idée du privilège qu'il y a à être mère. Car la création est un pouvoir. Former une vie, la guider,
vers le bonheur ou le désespoir. Ces enfants auraient dû être les nôtres, élevés pour chasser et abattre les ennemis de sa reine. Avez-vous déjà combattu un commando Asari? Peu d'humains l'ont fait. Nous ne sommes pas obligés de nous battre. Vous pouvez revenir à la citadelle avec nous. Je ne crois pas. Oh merde! Un autre sommeil. Ce n'est pas fini. Nul ne peut arrêter sa reine. Mon esprit est empli de lumière. Eh oui. Tout est clair. Parlez, Venezia. Qu'est-ce que sa reine prépare? Je ne le trahirai pas. Vous n'apprendrez... Vous... Écoutez attentivement. Sa reine murmure toujours dans mon esprit. Je peux combattre ses pulsions brièvement, mais l'endoctrinement est puissant. Comment avez-vous échappé à son contrôle? J'avais scellé une partie de mon esprit pour me protéger de l'endoctrinement. En attendant le jour où je pourrais participer à sa destruction. Je ne tiendrai pas longtemps. Comment peut-il vous contraindre? Il n'est même pas ici. Les gens autour de sa reine ne sont plus eux-mêmes. On se met à l'idolâtrer, à le vénérer, à faire n'importe quoi pour lui. Sauve règne, son vaisseau amiral, en est la clé. C'est un gigantesque cuirassé d'une puissance extraordinaire. Le vaisseau qui a attaqué Eden Prime?
Je ne pensais pas qu'un vaisseau de cette taille pouvait atterrir sur une planète. Il possède un moteur gravitationnel extrêmement puissant. Mais là n'est pas le véritable pouvoir de Sovereign. Ceux qui restent à bord sont irrémédiablement gagnés par la cause de sa reine et finissent prostrés à ses pieds, à boire ses paroles. L'effet est d'abord subtil. Je me croyais assez forte pour résister, mais j'ai fini par devenir un instrument volontaire, vivant pour servir. Il m'a chargé de retrouver la position du relais cosmodésique Mu, perdu depuis des milliers d'années. Comment peut-on perdre quelque chose de si gros ? Il y a 4000 ans de cela, une étoile toute proche est devenue une supernova. L'onde de choc a propulsé le relais en dehors de son système, sans toutefois l'endommager. Son vecteur et sa vitesse sont impossibles à déterminer avec précision. Les millénaires passant, le rémanent de supernova a enveloppé le relais. Il est très difficile de retrouver un objet froid dans l'espace interstellaire. Surtout s'il est entouré de radiations et de poussière en fusion. J'imagine que vous avez trouvé les coordonnées. Il y a 2000 ans, les Rachni habitaient dans cette zone de la galaxie. Ils ont découvert le relais. Les Rachni ont une mémoire collective qui s'étend sur des générations. Les reines héritent du savoir de leur mère. J'ai trouvé dans l'esprit de la reine la position du relais. Il m'a fallu employer la manière forte. Comment les Rachni ont-ils trouvé le relais ? À force de patientes recherches. Ce sont des créatures territoriales qui veulent couper tout accès à leur système. Pourquoi sa reine a-t-il besoin du relais Mu ? Ils pensent que le relais le mènera au canal. J'aimerais vous en dire plus, mais sa reine n'avait aucune raison de se confier à moi. Je n'étais qu'un instrument. Il faut que vous me donniez cette position. J'ai transcrit les données dans un DSO. Tenez. Ça ne sert à rien de connaître les coordonnées du relais si on ne sait pas quoi en faire. Sa reine ne m'a pas révélé sa destination. Vous devez la découvrir, et vite. Je lui ai transmis les coordonnées juste avant votre arrivée. Vous devez arrêter ça. M'arrêter. Il ronge mon esprit, enserre ma colonne vertébrale. Vous devez... Vous devez... Oh là ! À votre tour. Je ne peux pas aller plus loin. Ce sera à vous de l'arrêter, Shepard. Vous êtes sûr d'être libéré à nouveau de l'endoctrinement ? Je l'entends encore, comme du métal sur du métal, crissant et se répétant à l'infini. Pas de lumière ? On dit toujours qu'il y a... Quelle mort digne de Marion Cotillard. Une reine Rachni. Thank you.
elle, c'est notre voix. Nous ne pouvons pas chanter, pas dans ces espaces confinés. Vos chants sont sans éclat. Qui êtes-vous ? Nous sommes la mer. Nous chantons pour ceux tombés dans les limbes, pour les enfants que vous croyez réduits au silence. Nous sommes Rachni. C'est vous qui avez ordonné de tuer l'équipe de scientifiques ? Non. Nous étions enfermés ici. Les enfants sont hors de portée de nos chants. Ils sont perdus dans le silence. Les enfants que nous avons mis au monde nous ont été enlevés avant qu'ils ne puissent apprendre à chanter. Ils sont perdus dans le silence. Mettez fin à leur souffrance. Il est impossible de les sauver. Dans l'état où ils sont, ils ne peuvent que créer des problèmes. Je ne comprends pas. Pourquoi vos enfants tuent ? Les chantes-chiffres ont volé nos œufs. Ils veulent transformer nos enfants en bêtes de guerre, en griffes dénuées de chants. Le silence ne gêne pas nos aînés, mais les enfants, eux, ne connaissent que peur en l'absence de chant. La peur a brisé leur esprit. Logique. Un bébé enfermé dans un placard jusqu'à 16 ans garde forcément des séquelles. Entendu. De toute manière, ils ne vont pas me laisser le choix. Avant de vous occuper de nos enfants, contemplez-nous. Qu'allez-vous chanter ? Serons-nous relâchés ? Allons-nous à nouveau disparaître ? On n'a qu'à faire exploser ces réservoirs d'acide là-bas. Mes ancêtres sont morts par millions pour se débarrasser des Rachni. On ne va pas les laisser revenir. C'est la dernière survivante de son espèce, Shepard. Nous n'avons pas l'objectivité nécessaire pour en décider. Vos compagnons entendent la vérité. Vous avez le pouvoir de nous libérer ou de renvoyer notre peuple dans les limbes du silence. Si je vous laisse vivre, est-ce que vous attaquerez à nouveau les autres races ? Non. Nous... Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant la guerre. Nous n'entendions que discordance des chants sombres et suintants. Nous chercherons un endroit reculé pour apprendre l'harmonie à nos enfants. S'ils comprennent, peut-être reviendrons-nous. Êtes-vous une survivante de la guerre ? Un clone ? Nous ne savons pas. Nous ne nous rappelons que les pleurs de notre mère dans nos rêves larvaires. Puis, un son provenant de l'espace a fait taire les voix, les unes après les autres. Il forçait les autres chanteurs à entrer en résonance avec sa propre note, d'un jaune acide. Nous nous sommes alors réveillés dans cet endroit, dernier écho de la planète chantante. Désormais, le ciel est silencieux. Eh bien, je vais les libérer. Je ne veux pas détruire votre espèce. Je vais vous libérer. Vous êtes stupide. Votre peuple n'a pas combattu cette engeance. Peut-être que vous ne comprenez pas. C'est peut-être vous qui êtes aveuglé par de vieilles légendes guerrières. Faites ce que vous voulez. Mon peuple s'en occupera en temps et en heure, comme nous l'avons fait pour les Galariens. Vous nous laissez une chance de composer à nouveau ? Nous nous en souviendrons. Nous chanterons votre clémence à nos enfants. Fabuleux. L'idole des jeunes versions insectes. Vous allez vous en mordre. Edouard.
Eh ben écoutez, c'est là-dessus donc que nous allons nous quitter. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Pour ma part, eh ben écoutez, je vais continuer à explorer un petit peu la zone. Et puis si je trouve des trucs intéressants, eh ben écoutez, je n'hésiterai pas à vous le dire. Allez, à ciao ciao.